Eh bien, salut, salut les survivants, c'est le Toucan, je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo de raid. Alors, on est actuellement sur la base de... Y a pas de nom. Donc, fatalement, j'ai pas pu la trouver sur YouTube. J'ai fait un essai en off, donc je sais qu'un seul C4 suffira. Donc, c'est une base full level 3, mais un seul C4 suffit à tout ouvrir. Donc, je vais me positionner ici, tranquillou, lilou. On se casse. Voilà. Et voilà, plein de petites boîtes. Alors, il y en a une que je n'ouvrirai pas pour éviter de faire pop le gros, c'est celle-ci. Normalement, je devrais avoir assez pour ne pas le faire pop. Il y a juste une cinquantaine de planches, mais il y en a d'autres dans celui-ci, je crois, ou celui-ci, je sais plus. Donc, voilà. Il n'y a pas du lourd ici, vraiment, vraiment pas de lourd. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. C'est des petites bases. Moi, ça m'évite de farm, c'est très bien. Donc, on va prendre les petites carottes. Voilà, parce que c'est bon les carottes. Et puis ça rend aimable. Pour ce qui est des fesses roses, ça marche pas, mais. On n'a jamais vu un lapin méchant. Oups, pardon, j'ai encore oublié de vous baisser le son. Décidément. Allez. J'ai encore 2 heures pour faire une quête dans le bunker, ça serait cool. Au moins le passer en hard. Pour essayer de me choper une petite disquette. Bon, ici, on a que du tissu. Pff, je vais pas me régaler sur celle-là. Bon, je vais pas me plaindre. Je me suis régalé sur mon précédent raid et ma précédente vengeance. Un peu de chaîne. Donc, ça fait partie du jeu. Alors, on prend toutes les planches. On lui laisse les haches. Voilà. Non. Je t'ai dit, on lui laisse. T'es têtu ou quoi? Allez, on s'occupe de ses zombacs. Un pêcheur de pillons en rond. Allez. Hop, un petit coup de soin, ça serait du bien. Allez, tranche-moi tout ça. Et tu peux pas en finir un avant de passer au suivant? Ça serait vraiment plus pratique, hein, crois-moi. Voilà. Alors, donc on a pris les planches qui étaient ici. Je sais plus du tout par contre ce que contiennent les coffres. J'en ai repéré un, celui qui avait le... Ouais, du bois. Ok, super. Logique. Non mais c'était logique, c'était logique. À côté des planches, le bois. Ok, des calcaires. Là, je crois que c'est des briques. Voilà. Ça, je vous les montre. Hein. Personnellement, le raid, si je m'écoutais, je serais déjà parti. Bon, un petit coupon rouge, bon, pourquoi pas. On va s'occuper des zombacs. La tenue est déjà bien dans le rouge. Je crois que je vais finir à walper. Donc, on va aller jouer avec la niniche. Allez, venez là. Qui m'aime me suivre, les filles. Hop. Bah alors. Au premier de ces messieurs. Quand vous voulez, vous rentrez. D'accord, bon. Dans le genre un peu abruti, ça se passe comment? T'es cérébré consanguin. Ouh là là! J'ai failli mourir. On va les attirer vers le haut, on va essayer de les contourner. Hop, voilà. Bon. Il reste un petit coup. Voilà. Les deux gros, on va les laisser là-bas dedans. C'est pas bien grave. Alors ici, il y en avait donc. Bah tiens, ça tombe bien. Les petits kits de soins, parce que là, je crois que j'ai appuyé un petit peu fréquemment sur la touche soigner, 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 soigner. Voilà. On va récupérer les petites bouteilles d'eau. Oh, oh mais je me souvenais pas de celui-là de coffre. En fait, c'est celui-là le coffre le plus pourri. Je vais aller mettre des trucs dans le chopper pour faire un peu de place. On va essayer de pas ouvrir la porte, faire gaffe. Le pick-up, oui, le pick-up, il n'y a rien dedans, je vous le dis. J'ai oublié de vous montrer, voilà, il n'y a rien. Hop là. Pas de ressources à récupérer, sans blague. Mais c'est sur toute la base qu'il n'y a pas de ressources à récupérer. Bon, ceci dit, ça m'évite d'aller farmer du bois, mais bon. Je vais peut-être en récupérer du bois, c'est horrible à dire. En plein raid, c'est horrible à dire, franchement. Parce qu'en fait, j'avais la quête des 15 pics, donc mon stock de bois a bien diminué.
Ici, je crois, je me souviens qu'il va y avoir un tuyau, mais il a une modif. Ouais. Quoi comme modif? Conserve cloutée. Bon. Bah, pourquoi pas? Et là, je vais retrouver le bois. Voilà. Je vais me servir en bois. On va bouffer ça. On va lui laisser ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et puis voilà. Hein. On va faire ça comme ça. C'est triste. C'est vraiment triste de tomber sur ce genre de base. Mais bon. Je vais même pas péter les établis parce que je me doute qu'il n'y a rien dedans. Allez, on s'arrêtera là. Ouais, un peu de peau, ça peut être. Ouais, on va lui laisser ça. Ça peut être intéressant la peau pour faire du cuir. Et puis je te laisse une hache quand même. Allez hop. Allez, on va le taper, mais je vais vite me barrer. Ouais, il y avait des carottes. Et je vais me prendre une tartine. Ouh! Allez, on s'arrache. Oh la vache. Ah mince, je crois que j'ai fait pipi dans ma culotte. Ah la vache. Pas une bonne chose. Bref, allez, on court. Parce que là, j'ai plus beaucoup de temps. Il me reste 1h52 pour clean le bunker. Je n'ai même pas ouvert un seul coffre. C'est la première fois que je n'ouvre pas un seul coffre. J'ai fait que le SS4 en fait. Ah, vivement ce week-end, je pourrais me remettre un peu plus dans le jeu. Parce que là, avec le boulot, c'est compliqué. Pas quel est le con qui a dit pour gagner plus, travailler plus. Bref, on s'en fout. Là, à mon avis, pour les raiders, ça va pas être très compliqué. Ils vont pas vouloir grand-chose. Je pense que une hache, comme l'autre, comme hier. Voilà. Une hache, ils sont contents. Allez, barrez-vous, Michou, là. On rappelle tout le monde. Et on se speed un peu, les garçons, là, parce que. Il y a le bunker qui va bientôt fermer. Allez, on se remplit le coffre de bois. Bah, du coup, ouais, c'était un peu un raid de. Full bois. Voilà. Le cuir. Tac. On va se mettre ça. Hop. On va récupérer déjà les peaux qui sont déjà tannées. Hop là. Non. Ah, arrête de faire des bêtises. Ok, ça c'est bon. Les haches, je vais les poser là, vite fait. Voilà. Et on va retourner voir Michou. Donne-moi une bonne quête au SS3, par exemple. Un truc rentable. Deuxième étage et l'aveugle. Bon, bah on est parti pour un bunker en mode hard. Allez. Eh bah écoutez les survivants, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, un petit commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui me suivent. On continue les vidéos dans le même genre de délire. Voilà. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de raid ou de vengeance. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne survie. Salut, salut les survivants!